So no, you had a fucking nigga. I didn't fuck him, babe. So this text say, I enjoyed your time. I hope your pussy not mad at me. What are y'all, beating your fucking pussy up? Nah. So what the fuck happened? Don't lie or break your fucking glasses. I'm not gonna lie to you. We was gonna do it, but it didn't fit. What the fuck you mean it didn't fit? What the fuck? It didn't fit. Man, couches don't fit through doors and shit like that. What the fuck? What I fit? What the fuck you mean? I fit? What the fuck you mean it didn't fit? I mean, his dick was too big. It wouldn't fit. Oh, so you just some big dick picking ass bitch. What the fuck? Alors, en fait, c'est j'ai déjà vu cette vidéo quand je l'ai sélectionnée. C'est la réaction du frère derrière. Elle me fait toujours tellement rire. En fait, c'est donc une fille qui explique à son mec que non, non, elle l'a pas trompé. Lui, il a surpris un message et elle dit non, non, je t'ai pas trompé parce que ça rentrait pas. Et le gars est totalement vexé parce que lui, il dit mais moi, je rentre. Sous-entendu, moi, j'ai un petit zizi, je rentre. Et lui, il a un grosse bite, il rentre pas. Et en fait, il est vexé, etc. Alors déjà, l'excuse de la fille pour dire « j'ai pas trompé mon mec », elle est ridicule. Et le mec, par contre, je trouve qu'il fait relativement un contresens, dans le sens où, en fait, il dit « l'autre, il a une grosse bite ». Tu vois, il est complexé, presque. Il se dit « moi, j'ai une petite, je rentre », et lui, il rentre pas, il est vexé, le gars. Alors qu'en fait, il faut se dire, encore une fois, ça rejoint la vidéo que j'ai fait avant sur la taille du pénis, que c'est pas gros, c'est pas forcément mieux, c'est pas aussi simple en fait, c'est pas aussi simpliste. C'est dans les pornos qu'on croit que c'est aussi simple, qu'il suffit d'avoir une grosse bite et la mettre dans une chatte et puis que ça y est, la fille elle jouit. Bah non, ça marche pas. Donc tu vois, si t'as une grosse bite et que tu sais t'en servir, tant mieux. Sinon, si t'as une grosse bite, bah tu peux faire peur, tu peux faire mal, et du coup qu'est-ce qui se passe? Bah ce genre de situation où la chatte se tend, se ferme et où ça ne rentre plus. C'est un des facteurs qui peut faire que ça rentre pas. Donc là, au lieu d'être vexé parce que l'autre a une plus grosse bite, mais il n'arrive pas à baiser sa meuf, tandis que lui, il en a une plus petite, mais il arrive à la baiser, eh bien, il faut se dire que ben, lui, il sait faire, il sait la mettre à l'aise, il sait la détendre, etc. Donc, en fait, plus gros, c'est pas forcément mieux, et c'est encore une démonstration de ça, c'est pas juste une lubie de coach en sexualité de dire ça. Donc vous pouvez prendre votre fiche sur la taille du pénis, pour tout savoir sur la taille du pénis, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé.